Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ de TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Ce monsieur est en train de faire quelque chose qui va changer notre vie, quelque chose qui vous touche toutes et tous au plus proche, puisque monsieur, vous êtes en train de faire quoi ? Alors je suis en train d'effectuer une soudure sur la fibre optique. Fibre optique, on en parle beaucoup des fibres optiques. Alors on parle de numérique, on parle de beaucoup de choses ici, de technologie du futur. Et la technologie du futur, nous l'avons ici. Nous sommes à Mende et c'est l'inauguration de la nouvelle boutique ici, Bouygues, à Mende. Alors comment ça se passe les soudures ? Qu'est-ce qu'il faut faire au juste, monsieur ? Alors en fait, c'est tout simplement deux petits câbles qui font la taille d'un cheveu. Pour faire le raccordement, on fait une soudure à l'arc. Donc du coup, c'est clairement du raccordement. D'accord. Et alors, il y a quoi qui passe dans cette fibre au juste ? Alors, c'est de la fibre de verre, en fait. La fibre de verre ? Donc, c'est une lumière qui permet d'avoir l'accès à Internet. Donc, en gros, c'est une lumière qui passe dans cette fibre qui est en verre. Et on a combien de connexions possibles sur ce genre de... Alors, ça va dépendre de l'abonnement que le client choisit, bien sûr, mais on peut aller jusqu'à 900 mégas en général. C'est ce qui correspond à un raccordement. C'est ce qui correspond à un raccordement. On est tout de suite donc à la boutique Bouygues à Mende. Laurence Huot, et ben voilà une nouvelle boutique qui s'installe encore en cœur de ville, à Mende. Bientôt un strike. Et là, c'est boutique haute technologie. Hein. Ben exactement. Et on est assez fiers d'accueillir Bouygues Télécom hein, sur le territoire parce que ça va nous permettre d'avoir une vraie concurrence. Sur tout ce qui est téléphonie, accès Internet, fibre, bien évidemment. Donc c'est toujours très positif pour moi. Et on est ici au cœur du cœur de la ville, hein, puisqu'on est à un endroit peut-être le plus passant du centre-ville sur la place de la République. Et donc c'est une belle chose, une bonne chose que Bouygues soit venu s'installer ici en Lozère. Normalement, on devrait tous être gagnants, puisque c'est bien que les opérateurs fassent un peu la compétition. Et puis, bah, nous, ça va arranger nos connexions. Quoi. Forcément, ouais, forcément, on sera gagnants, parce qu'ils ont ouvert aussi, ils vous le diront mieux que moi, mais plusieurs dizaines de milliers de prises à la fibre aussi sur l'ensemble du département. Donc ça, c'est une belle chose aussi. Et puis, qui dit concurrence, dit offre commerciale. Donc forcément, c'est au bénéfice des consommateurs et des clients qui sont soit de la ville ou qui viennent sur la ville de Mende. Ouais. Voilà, tout à fait. Nous, la KWZ, justement, on est utilisateur à 100%. Monsieur, bonjour. Vous avez l'air heureux. Alors, vous faites quoi ici ? Thibaut Roblin, je suis responsable des relations extérieures pour Bouygues Télécom et je suis heureux de venir inaugurer la boutique de Mende aujourd'hui. C'était logique pour vous de venir ici s'installer à Mende ? C'était logique et c'était logique surtout de venir s'installer en centre-ville. On est dans une vraie dynamique où on a un accompagnement de la part des élus, on a un rôle à jouer nous dans l'aménagement numérique du territoire, on l'a amplement évoqué aujourd'hui, on évoquait le nombre de prises fibres auxquelles nous sommes éligibles dans le territoire, donc c'est 46 000 au total et la quasi-intégralité de Mende. Mais on a un rôle, au-delà de l'aménagement numérique du territoire et aussi de la facette mobile, on a un rôle d'aménagement du territoire. Et on accompagne les élus qui veulent dynamiser leur cœur de ville, rendre leur cœur de ville attractif. On est à l'écoute de ces élus. Alors, vous êtes plusieurs opérateurs. La Lozère est compliquée, on ne va pas se le cacher, parce qu'il y a des reliefs incroyables. Vous êtes avec une certaine qualité partout en Lozère. C'est en train de se développer. On en est où ? Là, l'ensemble en Lozère, alors effectivement, comme vous dites, la topographie rend le déploiement du numérique un peu compliqué. On est sur, on a plus d'une centaine de sites mobiles actifs en Lozère. L'ensemble de ces sites sont en 4G. On a quelques sites 5G, plus spécifiquement à Mende. En l'occurrence, on en a deux. On va faire grossir, quoi qu'il arrive, le réseau. On a besoin d'assurer cette couverture et d'avoir une qualité de service maximale. On est dans une boutique aujourd'hui et on espère que cette boutique va nous permettre de gagner de nouveaux clients. Il faut que ces nouveaux clients, en repartant de la boutique ou qu'ils aillent en Lozère, aient une qualité de service optimale. Merci infiniment. Monsieur, bonjour. Alors nous, tout à l'heure, j'ai entendu, quand je suis arrivé, vous disiez que vous avez installé une boutique à Lourdes.
Nous, on cherche des miracles. Ici, on a besoin de connexions qui fonctionnent bien, avec des boutiques, du relationnel. Et c'est exactement votre objectif. Absolument. Donc moi, je suis en charge du parc immobilier en fait, de Bouygues Télécom en France. Et c'est, mon rôle, c'est de trouver effectivement des boutiques pour satisfaire nos clients et pour accueillir nos clients au maximum en physique. En plus, ça vient en plus de nos autres canaux de distribution que sont le web, que sont la télévente, le service client. Mais en fait, il est extrêmement important d'avoir un contact physique sur place dans chacun des cœurs de ville. Alors, il me semble que même les jeunes viennent chez vous et ça, c'est une bonne chose, non ? Oui, alors beaucoup de jeunes viennent chez nous, d'abord pour découvrir aussi le produit. Hein. C'est ce qui fait la force de notre magasin, c'est de pouvoir le toucher, s'apercevoir du poids, de la couleur réelle, etc., ou des démonstrations. Et donc, c'est effectivement beaucoup plus valorisant d'avoir un produit devant les yeux plutôt que de l'avoir derrière un écran. Et donc, on a énormément de jeunes, même dans la tranche 18-24 ans, qui viennent pour tester les produits et puis voir de quelle manière ça peut fonctionner. Quel rapport qualité-prix chez vous ? Oh le rapport qualité-prix, je pense qu'on est réputé pour avoir l'un des meilleurs réseaux parmi les quatre opérateurs. On est régulièrement d'ailleurs félicité par l'ARCEP pour avoir l'un des meilleurs réseaux, notamment hors des grandes villes, ce qui est important pour nous. On a des prix qui sont tout à fait concurrentiels. Moi je vous incite à venir nous voir. Et je suis d'autant plus fier en plus d'avoir ouvert cette boutique que c'était le dernier département de France dans lequel nous n'avions pas de boutique Bouygues Télécom. Et maintenant c'est chose faite depuis le 15 novembre. C'est super, je vais aller voir, il est où là votre responsable ici de la boutique locale? Il est là. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve chez vous ici? Alors là, vous avez l'ensemble de la gamme Bouygues Télécom puisque vous avez toutes les offres mobiles. Vous avez l'ensemble des gammes puisque vous avez toute la partie mobile avec l'ensemble des constructeurs puisqu'on travaille avec Apple, Samsung, vous avez Xiaomi et Oppo. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des formules Bouygues Télécom, vous avez l'ensemble des forfaits que vous pouvez activer avec un téléphone portable, bien sûr. Vous avez toute la partie smartphone durable, puisqu'on fait la reprise. Attendez, j'étais en train de montrer tout doucement. Vous me disiez les durables ? Tout ce qui est smart. Et reconditionné, quoi. C'est téléphone reconditionné, puisqu'on fait la reprise de tous les téléphones pour le recyclage. Chose importante, puisqu'aujourd'hui, on recycle tout type d'appareil, en fait. Hein. Tout ce qui est smartphone, anciens téléphones qui peuvent être à clapet ou à touche ou des smartphones, on recycle, puisqu'après, les pièces sont réutilisées. Et après, vous retrouvez toute la partie Internet, puisque vous avez l'ensemble des offres pour la box, tout ce qui est fibre et box ADSL. Donc là, vous avez une mise en situation avec la télé, comme le salon, avec la box, le décodeur TV, qui sont en présentation, sur lesquels vous pouvez avoir avec les offres Bouygues Télécom. Et puis également, on a toute l'offre accessoire avec les téléphones, puisque vous avez tout ce qui est câble de charge, la protection d'écran sur mesure, ici, parce que là, on peut faire, pour n'importe quel appareil, la protection d'écran d'un smartphone, sur mesure. Et puis également, ici, on a toute la partie smartphone d'occasion. On reprend des téléphones d'occasion et on revend des produits d'occasion. On fait un circuit court, on rachète les téléphones des clients, on les répare et on les revend ici. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est parfait. C'est une très belle chose. Si on veut venir chez vous, la boutique est ouverte, vous le savez. Mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. C'est quoi le tarif d'appel pour venir chez vous prendre un abonnement ? Par rapport ? Si on est tout jeuneau et qu'on veut prendre un abonnement pour faire son premier forfait. On a des tarifs en remise, c'est-à-dire que si vous prenez la box, vous avez des remises qui sont appliquées, donc ça va de 5€ jusqu'à les plus gros forfaits. Donc on a l'ensemble de gamme, hein. Ça peut être pour des personnes qui recherchent des petits forfaits, ceux qui recherchent de l'illimité avec des grosses enveloppes data, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 200 gigas. Mais ça, c'est notre cas, ça. Pardon ? Ça, c'est notre cas. Chez KWZ, c'est notre cas. Pour avoir une grosse enveloppe data pour les gros consommateurs. Mais vous pouvez très bien prendre un forfait pour quelqu'un qui consomme très peu, qui prend juste un forfait 2 heures, tout simple. Voilà, ça commence à partir de 5€. Et les professionnels sont bien accueillis chez vous aussi, j'imagine ? Oui, bien sûr. Vous pouvez, en tant que professionnel, hein, il suffit d'un extrait CABIS, du numéro de sirène. Et après, vous pouvez ouvrir une ligne, une box pour votre entreprise, voilà, pour les artisans, les commerçants. Eh ben on en parle avec KWZ, pourquoi pas. C'est bien d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Voilà, donc on était ici en quasiment direct depuis la boutique Bouygues Télécom qui vient d'ouvrir ici à Mende, enfin qui est ouvert depuis quelques jours. Mais l'inauguration, c'est ça, hein. L'inauguration, c'est ce matin. Merci infiniment. Je vais terminer sur une image à l'extérieur. Merci monsieur, pour vous montrer à l'extérieur ce que ça donne. Voilà, boutique fort agréable et fort sympathique qui est ici, Bouygues Télécom. Voilà. Thank you.
Ça se situe place de la République, ici à Mende. C'est juste à côté de l'Essentiel Coiffure, pas très loin de Boulevard d'Été et en face de la bijouterie Nurita. On se retrouve très vite sur votre chaîne WZ TV Lozère. À bientôt.